ça se commande et ça sème. C'est magnifique la mer, mais ça donne des idées de voyage. Alors là, c'est Marius. À l'époque, Pagnol était à Paris pendant 4 années. Il commençait à trouver le temps long par rapport à son vieux port, Marseille. Mais pourtant, ça n'est pas inspiré spécialement par le vieux port, par les petites rues et tout ce qui faisait Marseille à l'époque. Mais ça lui manquait. Et il pensait beaucoup à l'Alcazar, oui, ce théâtre formidable qui avait cette faconde, etc. Et puis il avait préparé un avant-premier Marius, qui deviendra Marius. Et lorsque j'entends cette phrase, je repense à Pagnol avec son manuscrit Marius, se disant, mais moi qui cherche à travailler, à être pris, parce qu'il y a un emploi pour mes pièces dans les grands théâtres parisiens, mais ça ne marchera jamais. Le vieux port, les belles marseillaises, les beaux coquillages, c'est pas pour Paris. Et des amis qui l'en parlent lui disent, mais tu te trompes, mais pas du tout, mais il faut y aller, il faut partir, montre-moi ton manuscrit, etc. Mais non, c'est trop local. L'expression c'était, c'est trop local. Bon. Donc si c'est trop local, ça ne peut pas être joué à Paris, point d'interrogation, mais pas du tout. Un directeur de théâtre, il était rondelé, un Marseillais, mais à Paris, qui s'appelait Franck, qui travaillait avec le théâtre des variétés, tout ça. Donc, lequel Franck lui dit, ton manuscrit, tu veux que je te dise, tu vas au bistrot en face de la Comédie Française et tu déposes son manuscrit, mais tu fais pas comme ça. Tu te mets dans le coin le plus sombre, tu prends une boisson, tu la payes tout de suite, tu mets ton manuscrit et ton numéro de téléphone bien sur le manuscrit, bien noté sur le manuscrit, et comme tu as payé, tu t'en vas, et à ce moment-là, tu verras le directeur. Demain matin, 11h30, il t'appelle. Monsieur, je veux vous voir, votre manuscrit, on le travaille à partir de 13h30. Tu te racontes comme c'est humiliant ce que tu fais là. Tu me surveilles comme un tricheur. Hey, non, ce n'est pas bien de ta part. Ce n'est pas bien, non, non. Allons, César. Non, non, non. Tu me fais très plaisir. Allons, César. Quand tu me parles sur ce ton, tu m'espinges comme si j'étais un scélérat. Je ne dis pas que je vais pleurer, non. Mais moralement, tu me fends le cœur. Allons, César, ne prends pas ça au tragique. C'est peut-être que sans en avoir l'air, je suis trop sentimentale. À moi, il me fend le cœur. Et à toi, il ne te fait rien. Moi, il ne m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il me fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu. Tu me fends le cœur. Alors, je vous présente Gilou Lavindrouille. Il est de tous les univers, puisqu'il voyage beaucoup, mais en particulier, il est de l'univers musical de Pagnol à travers les chansons de Vincent Scotto en particulier. Et nous allons entendre 2 chansons qui racontent Marseille. Gilou, la vadrouille est toute la gouaille de la province. Et met l'accent. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle vient du vieux port et sans effort, comme canne de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-canne-canne-canne-bière. Bravo les cœurs! Dans le fond, les hommes honnêtes ne sont jamais que des imbéciles ou des pauvres.
Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Ça, c'est Topaz. Et justement, je venais de vous parler de Marius dans ses débuts. Topaz avait été un échec. Le manuscrit, le premier manuscrit de Marius également. Et un jour, Topaz arrive au théâtre des variétés. Et c'est à ce moment-là que l'histoire du manuscrit dont je vous ai parlé se passe. Et Franck, son ami, redescend à Marseille. À ce sujet, Pagnol disait souvent, on dit toujours redescendre à Marseille, parce que quand vous prenez une carte murale, vous descendez de Paris et vous arrivez à Marseille. Et là, effectivement, Franck est totalement enthousiaste. Pagnol est descendu en train, ils se sont rencontrés, le manuscrit a été lu, et là, il faut absolument, lui dit Franck, il faut absolument, mon cher Marcel, que tu rencontres Rému. Rému, mais je ne le connais pas. Ah, tu ne connais pas Rému ? Mais j'ai entendu parler de lui. Quand il verra ton texte, il va pleurer, il va dire « mais je veux être Panisse ». Effectivement, Rému rentrera effectivement dans le jeu du théâtre, mais refusera le rôle de Panisse dans une histoire que vous connaissez. Bon, escarte-figue, puisque tu es si malin que ça, explique-nous donc ce que c'est qu'un tiers. Un tiers, c'est simple, c'est la moitié d'un tout. La moitié d'un tout. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, escarte-figue? Non, un tiers, c'est un tiers, c'est pas une moitié. C'est mathématique, escarte-figue. Un tiers, c'est un tiers de quelque chose, soit 1 sur 3. Attendez, attendez. Donc, si on divise en 3, on obtient des tiers. Et si on divise en 2, on obtient quoi? Bah des moitiés, espèce d'andouille. Ah, escarte-figue, tu me fais toujours rire. Bon, d'accord, mais tout ça pour dire que je comprends rien aux fractions. Ne t'en fais pas, on n'est pas à l'école ici. On est là pour jouer et pour boire. C'est vrai, en fait, les cartes, c'est pour se divertir, c'est pas pour faire des mathématiques. Et pour trinquer, à la santé de ceux qui ne comprennent pas les fractions. À la santé! Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon sur la mer au-dessus des roches. Pour vivre bien caché à son toit quand la blague approche. Le bonheur, t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. Les femmes, c'est comme les fourmis, ça ne s'arrête jamais. Le pain, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Le travail, c'est la santé des riches et la richesse des pauvres. Quand on s'aime, il faut partir, s'en aller loin, dans la montagne, ou bien se marier. Le vent qui va, reviens. Nous étions des enfants, mais nous savions que nous ne serions pas toujours des enfants. Un enfant, ça écoute toutes ses oreilles et ça regarde tous ses yeux. Les chemins de l'enfance sont bordés de souvenirs éternels. Les hommes, c'est comme les grands vins. Certains tournent en vinaigre et d'autres deviennent meilleurs en vieillissant. Il faut laisser le temps au temps. Je ne sais pas si je suis de l'avis de Dieu, mais je suis de l'avis de moi-même et ça me suffit. Alors l'ironie? Au fait, tout condamné à mort, bah, on va la tête tranchée. Je fais la colère. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La tristesse. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Amusant. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La colère. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Sérieux. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
tranchée. Amusant. Tout... tout condamné à mort aura la tête tranchée. 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 Bonsoir pour Félicie. Aussi. Aussi. Ah oui, alors il est important de dire à ce stade du récit que Fernandel, bien évidemment, a toute sa place dans l'univers de Pagnol, l'univers de Marseille. Et là, on va partir avec Fernandel, puisque notre ami Gilles nous a dû donner le titre, Félicie aussi, immanquablement, Félicie. D'accord, donc je ne dis rien, je chante, ah, pas que t'as dit, d'accord. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Attends, speaker, il faisait un temps superbe. Je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Pensez les arbres bourgeonnes et les gueules de loups boutonnes. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Ah, ah, ah. Oh, bravo.